Quoi, vous êtes exactement 4020 doigts en train de me tapoter sur la figure et prêt à dégainer pour aujourd'hui décrocher cette cagnotte de 100 euros. Ma petite chérie, est-ce que tu peux mettre le retour? Merci beaucoup. Aujourd'hui, on va parler d'architecture. Et alors, pour ceux qui savent conduire des maisons, j'aime autant vous dire qu'il va y avoir un petit peu d'argent à se partager. Je vous rappelle que vous avez des jokers, du 50-50, des x3, des x5, qu'on les utilise pas n'importe comment. Le mieux, c'est d'utiliser un x5 sur une question à 80, parce que si t'as pas pioncé complètement à l'école, tu sauras que tu mets directement les 400 points. À partir de 400 points inscrits, tu rentres dans le petit cercle. Ouh, 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 le petit cercle de ceux qui vont se partager la cagnotte de 100 euros. Et si tu arrives à 960 points, à ce moment-là, pam, tu exploses le petit cercle et tu ramasses 50 euros en plus à se partager entre les grands gagnants, ce qui est plutôt sympathique. Alors, révise un petit peu ton architecture. C'est parti, première question. Pim. L'architecture de la fondation Louis Vuitton rappelle les lignes d'un igloo, d'un château, d'un voilier ou d'un avion. À ton avis? Qu'est-ce qu'on en pense? Et là, je vois tout de suite les... Ah oui, alors en même temps, si tu n'as jamais vu la fondation Louis Vuitton, d'abord, c'est que tu t'es pas forcément intéressé à l'architecture et qu'ensuite, tu n'avais pas envie de participer à ce quiz. J'ai déjà les statistiques qui sont en train de tomber. Elles sont plutôt éloquentes. 69% d'entre vous savaient qu'il s'agit des lignes d'un voilier. Oui, on dirait un gros voilier. Mais bon, comme il n'y a pas de bol, il n'y a pas d'eau. Et comme il n'y a pas d'eau, il n'ira pas bien loin. 17% ont répondu à un château. Voilà, bon, bah écoute, une fondation qui ressemble à un château, c'est bien. C'est situé près du jardin d'acclimatation à Paris-Neuilly. 6% ont dit que ça ressemblait à un igloo. Bon, alors ça doit être les 6% qui sont équipés d'une canne blanche et d'un chien guide d'aveugle, sans doute, et qui ont voulu, ou alors qui ont voulu répondre une connerie. Lola Weissen, tu as mis 50 points. Alors, c'est un petit peu con d'avoir mis 50 points, c'était une question à 10 points. Toi, tu t'es jeté sur ton joker x5, tu t'es dit « Ah, je vais mettre des points ». Ouais, t'as mis des points, mais maintenant, il faut que t'en mettes encore 350, ma cocotte. Et c'est pas gagné. Attention, question numéro 2. Question numéro 2, l'architecture de l'opéra de Sydney, en Australie, prend la forme d'une fusée, d'une étoile, d'une sirène ou d'un coquillage, à ton avis. Je ne sais pas si tu vois la forme de l'opéra de Sydney, hein, qui a été designée par l'architecte danois Jørn Utzon, mais c'est assez joli, ça fait tac, 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 comme ça, et ça a la forme d'un coquillage. Un joli coquillage, en même temps, c'est en bord de mer. Là, cette fois-ci, on ramasse 88% de bonnes réponses sur le coquillage, ce qui est bien, mais pas top. 237 joueurs sont encore sans faute, ça veut dire que vous allez être nombreux à vous partager les brousoufs. 9% ont dit que ça avait la forme d'une étoile. C'est que tu n'as jamais vu une étoile. Allez, c'est parti. Attention, on envoie directement la question numéro 13. Numéro 3, question numéro 3. La tour Eiffel, cette espèce de grand échafaudage, c'est un monument architectural créé pour l'exposition universelle de Paris en 1889, 1879, 1899 ou 1909. Ça en fait des neufs là-dedans et aucune poule autour pour les pondre. Ça va commencer à devenir un petit peu compliqué. Elle a été construite en un peu plus de 2 ans, un record pour une telle hauteur, 324 mètres. Et c'était pour l'exposition universelle de 1889. Absolument, complètement. Une exposition universelle donc qui a vu la gloire de la Tour Eiffel et la honte de la France qui avait osé mettre des aborigènes en cage pour montrer les jolis sauvages que nous avions récupérés dans les colonies. Oh, shame on you! 71% de bonnes réponses, dont Fan Ni Pnd. T'as qu'à mettre des pseudos sans voyelles la prochaine fois si tu veux que je donne ton nom. Et toi, t'as mis 60 points, donc ça veut dire que t'as mis un x3 sur une question avant. Écoute, tu sais quoi? T'as le droit d'être fâché avec l'arithmétique tant que t'arrives au bout. On n'en parlera jamais. En revanche, il se passe des choses que je ne comprends pas, c'est que le nombre de joueurs sans faute a augmenté, à moins que ce soit par question. Enfin bref, tu veux que je te dise un truc, on s'en fout, c'est un algorithme mathématique. Et nous, on est là pour jouer uniquement avec de l'architecture, pas avec des algorithmes, espèce de méchant. Attention, question numéro 4. Quel architecte a conçu la pyramide du Louvre? Est-ce que c'est Jørn Utzon? Est-ce que c'est Léo Ming-Pei? Est-ce que c'est Frank Gehry? Ou est-ce que c'est Jean Nouvel? Nouvel, on dit pas Jean Nouveau. Écoute, je comprends pas, ça doit être une faute de frappe. Ouh, tiens, si on parle de frappe. Attention, les statistiques sont en train de tomber. Évidemment, il fallait répondre Léo Ming-Pei. Alors, il y a une légende urbaine qui veut que la pyramide du Louvre compte 666 carreaux de verre et que ce soit l'œuvre du diable. Avant de débattre là-dessus, allez compter. Voilà, l'adim et serbi, il n'y a pas du tout 666 carreaux de verre. En revanche, vous n'êtes que 56% à avoir trouvé la bonne réponse. Léo Ming-Pei, il a aujourd'hui 101 ans et c'est son plus grand projet
architectural. Ça a été réalisé en 1989 sous la houlette de François Mitterrand, qui était non seulement président de la République, mais un grand président en matière de culture. Émeric Charles, tu as mis 20 points sur cette question. C'est bien, Pablo Casim est en tête, 367 joueurs en sans faute. Ça nous autorise à passer directement à la question numéro 5. Quelle particularité l'architecture du musée Guggenheim à Bilbao présente-t-elle? Elle a un toit végétal, elle a en elle les quatre éléments fondamentaux, elle dispose d'une terrasse suspendue ou d'une structure en bois. Ou en boa, c'est comme on voudra. Ça, si tu le sais, tu le sais. Si tu le sais pas, tu le sais pas. La seule chose dont tu peux être sûr, c'est qu'une de ces quatre propositions est la bonne réponse. Oui, je sais, je t'ai un petit peu enduit d'erreur en te disant ça. Ouh là 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 là, 42% seulement de bonnes réponses. Oui, les quatre éléments fondamentaux, ouais, c'est Earth, Wind and Fire. She's fresh, fresh. Sont là-dedans. Son architecte, c'est Frank Gehry, évidemment. Donc, les quatre éléments sont la terre, le feu, l'air et l'eau. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus, à part que Boubacar a mis 200 points sur cette question? Comment t'as fait? 1 x 5 sur un 40, ça fait 200. Eh ben voilà, c'est bien, Boubacar. On est bien. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On n'est pas top, mais on est bien. Allez, question numéro 6, c'est parti. Quel monument abrite la fondation Le Corbusier? Est-ce que c'est la Cité Radieuse, la Villa Savoie, la Maison Laroche ou le site de Firmin-Hiver? Ah, ça, c'est très, très intéressant. Le Corbusier, grand, grand architecte français, oui, qui a aussi conçu des chaises longues, mais ça n'est pas la question. Il a surtout déterminé un espace à vivre et du béton. Et comme 40% d'entre vous le savent, ou l'ont répondu au hasard, c'est la Maison Laroche. 38% d'entre vous, Maison Laroche qui abrite la fondation Le Corbusier dans le 16e arrondissement. Elle a été construite en 1925 et c'est très très joli. La Cité Radieuse, c'est à Marseille qu'on appelle ce bâtiment également la Cité du Fada. Et c'est un bâtiment absolument à visiter si vous vous rendez à Marseille. De John Dalai Tamran, tu as mis 200 points sur cette question. C'est très très bien, tu caracoles en tête des scores avec 300 points. 136, 80% d'entre vous ont déjà utilisé leur 50-50. Moi, je vous ai dit, gardez-le un peu pour la fin, on ne sait jamais, parce que là, tu peux mettre tes 400 points d'un coup. Enfin bref, on aura beau le répéter, ça ne va pas rentrer. Allez, question numéro 7. Quelle est la marque de fabrique du style architectural de Zaha Hadid? Les angles acérés, les couleurs chatoyantes, les matériaux 100% écolo ou les courbes continuelles? Alors, c'est la première femme à obtenir le prix Pritzker. C'est l'équivalent du prix Nobel chez les architectes. Et elle a une vraie marque de fabrique, en tout cas en ce qui concerne son style architectural, comme tu es en train de l'entendre, comme tu peux le constater. Ouh là là, 48% d'entre vous ont donné la bonne réponse. Est-ce qu'on peut envoyer la bonne réponse? Et oui, son style architectural, ce sont les courbes continuelles. Ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça n'arrête pas de tourner. Un petit peu comme si tu avais bu une bouteille de whisky cul sec, tu vois. Ce qui n'est pas à conseiller. Attention, l'alcool... C'est mal, c'est pas bien, c'est vilain. Ah, jette, bois de l'orangina. Myriam, 400 points d'un coup, enfin une qui écoute les consignes. Elle a mis son x5 sur un 80, bim. Et tu viens de rentrer dans le petit cercle de ceux qui vont se partager la cagnotte de 100 euros. Alors, vous allez être plusieurs dans le petit cercle. Je sais, ça commence à faire coquin, mais c'est la vie. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Allez, question numéro 8. Œuvre inachevée d'Antoni Gaudi, la construction de la Sagrada Familia, qui est une cathédrale de Barcelone, a vu ses travaux démarrer en quelle année? En 1882, 1902, 1922 ou 1942? Il faut que tu saches qu'elle sera probablement terminée en 2026. Et pourtant, elle a commencé il y a quand même quelques années. Son nom complet en français, c'est Temple Expiatoire de la Sainte Famille, Templo Expiatorio de la Sagrada Familia. Et ça a démarré en 1882. J'ai 53% de bonnes réponses, ce qui est pas mal. Qui savait que la Sagrada Familia avait démarré en 1882? Phil Collins, tu viens de mettre 400 points d'un coup grâce à mes excellents conseils, ce qui est bien. Moi, je trouve ça bien d'avoir mis 400 points. Pareil, oups, tu rejoins les autres dans le petit cercle. Et on va bientôt aborder la question numéro 9, on va l'aborder dans quelques secondes. Maintenant, la question numéro 9 qui va nous conduire directement au podium. Dans la foulée, dans quelle ville peut-on voir 11 églises monolithiques taillées dans la pierre? Est-ce qu'il s'agit de Lalibela, de Jérusalem, de Bénarès ou de Compostelle? Alors, c'est absolument incroyable, 11 églises monolithiques. C'est dans un des berceaux de la civilisation. J'ai envie de te dire, et là je ne prends pas trop de risques, la bonne réponse est en train de s'afficher alors que les statistiques se font attendre, en tout cas sur mon petit écran, je ne les ai pas. La bonne réponse c'est Lalibela. Lalibela c'est en Éthiopie, on l'appelle la Jérusalem éthiopienne.
Tu sais que l'Éthiopie a vu naître aussi les Falachas, qu'on appelait les Bêta Israël, le premier peuple juif du Négus, le roi des rois. Enfin bref, c'était un endroit vraiment surprenant. 61% de bonnes réponses pour la Libella. Et ben quoi, on est arrivé au bout du test, mais je n'ai plus de statistiques. Donc je peux pas te dire combien vous avez gagné, je peux te dire rien en fait. Je peux pas te dire, voilà, vous êtes 214 à vous partager la cagnotte de 100 €, donc ça va faire. Et vous êtes 35 dans les super gagnants, le petit cercle. Alors, les super gagnants, vous gagnez 1,90 € et les 214 qui ont mis 400 points, vous gagnez 47 centimes d'euros, ce qui est bien, ce qui est vraiment bien. Ça permet d'acheter quelque chose qui coûte 47 centimes. Allez, quant à moi, je vous retrouve demain, c'est quoi, 17h, 19h? Je ne sais plus exactement. Je vous retrouve demain et puis je vous fais des grosses bises. À demain, ciao!